Mark est venu ici pour tenter de retrouver son frère, qui avait déjà basculé et que j'ai dû abattre. Je dois maintenant trouver le moyen de retaper Mark. Bon, ça t'a suffi? Tu peux parler à Brecon maintenant? Change d'abord de fringue. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecon. Appelle-moi quand tu seras changé. Ok, Raïm, je suis prêt. Où je peux trouver Brecon? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Il y avait le poids commun au dessus. Cette question idiote. Bah, c'est une blague, évidemment. Encore? Oh, bordel. Raïm, je te vois pas, où t'es? Prêt. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Ugh.
rester là à faire le pied de grue. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon, maintenant saute tout en bas. T'es cinglé! Je vais me tuer! Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là! Si, regarde. Rahim! Eh merde! Bouge pas! Je vais chercher de l'aide! Mais non! Je te fais juste marcher! Espèce d'enfoiré! Bah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde! Ça déboîte, hein. Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Pas mal! Quoi, débutant? Passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur.
Travail. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Ça ira comme ça. Sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui m'arrive ? Crane ? Crane ! Réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé un truc. Raim, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et merde ! Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Raim, c'était quoi ce bordel? Je suis en train de basculer? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Quel est le point commun ? Parfait. Ils m'ont donné un vrai boulot, et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zéré m'aura aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Oh!
c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu. Au fait, dans la tour on raconte autrement dit. Et vu que quelqu'un... Mais si tu... Merci. Tu pourrais même... ...te trouver une petite femme, pour te tenir chaud. Mais les mordeurs, ils sont vivants ou pas ? Sors. Hé, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Docteur ? Eh oh ! Y a quelqu'un ? Camden ! Tu es là ? Mais... je suis censé recevoir un vaccin. Quoi ? Non, non ! Un inhibiteur !
Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable? Donc, il n'y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Brecken a envoyé presque tous ses meilleurs gars pour protéger. Raïm, Zeri m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super! Ça devrait se maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeri. Il a du boulot pour toi. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antizine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. T'as pas l'air dans ton assiette. M'inquiète, Zeri va finir par...
D'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. Ici Jade. Il y a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute, un de nos traceurs transformait une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge.
Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Grey. Je crois que pour lui, c'est fichu. Merde. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Merde. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris.